Système à zapping attaque à la cathode. Tous les coups sont permis sauf les injures. Amis téléspectateurs, nous sommes lundi. Je vous dis bonjour, bonsoir, bon après-midi, bon matin à vous tous qui aurez l'occasion de regarder cette émission. Je vous prie de la partager. Oui, partagez-nous. Soyez nombreux à regarder déjà sans modération, à regarder du début à la fin parce que l'information, la bonne, vous l'avez ici sur Télé Zahir. Télé Zahir, bonjour très chers amis téléspectateurs, nous sommes à Paris. Je salue tous les amis de la France, particulièrement Yves Abdallah. Je vous salue très chers amis téléspectateurs du côté des États-Unis, à Washington et à Dallas. Nous saluons tous les amis de la Californie, vous êtes congolais, vous nous regardez bien sûr. Bonne émission, bon balouyang en anglais. Topanz en côté abattu anglais. Toujours d'ailleurs traducteur Mouro Kalamingité, nous allons commencer à faire un sous-titrage en anglais pour nos émissions parce que nous avons de plus en plus des téléspectateurs anglophones qui regardent cette émission. Je salue les amis de l'Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg. Je salue les amis de la Zambie, du Zimbabwe, les amis de la Namibie, Napesibinombote, Congo, Brazzaville, Angola, Kinshasa, Malwe Kabumbu, Matete Lemba, Ngaliema, Napesibinombote. Télé Zahir commence ici avec la situation à l'Est. Le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, au nom de son collègue, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a informé le Conseil de sécurité sur la situation à l'Est. Et il nous dit ceci, que la situation à l'Est est caractérisée par une recrudescence de l'activisme du terrorisme à travers évidemment le groupe M23 et l'agression avérée du Rwanda. Le Rwanda qui continue à nous déranger contre, je disais, l'agression du Rwanda contre notre pays et cela sur les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi. Et cela, amis téléspectateurs, a encore été le sujet le plus évoqué au 36e sommet de l'Union africaine en Éthiopie, je voudrais dire à Addis Abeba, où le chef de l'État séjourne actuellement. Je pense qu'il est en voie de retour sur le sol de ses ancêtres. Un voyage très très fructueux pour notre chef de l'État et bien sûr aussi pour la République démocratique du Congo. Les lignes bougent en faveur de Kinshasa, les lignes bougent en faveur de l'Est de la République démocratique du Congo parce que, une fois de plus, l'argumentaire du Rwanda qui se cache derrière la nébuleuse FDLR a été complètement démoli. Et je pense que du côté des présidents et des chefs d'État africains, il est aujourd'hui clair que le Rwanda soutient le M23 et cela n'est plus à démontrer. Le président, dans son élan patriotique, a porté une fois de plus la voix de la RDC plus haut en rappelant notre choix pour la paix. Voilà pourquoi est-ce que nous voulons construire cette paix à travers une diplomatie agissante. Nzelao Wapi, chef d'État comme Mabiso, Nayebi, Toana Posato, le Bafar DC, Bunda, Toyebi, Batebele, Bamino Komabe, Bana Posa, To déclarer guerre na Rwanda. Mais sachez-le, même quand on aura déclaré la guerre au Rwanda, la voie de la diplomatie restera toujours, parce que cette brèche-là, c'est cela la plus importante. Même quand on gagne la guerre par les armes, la diplomatie reste la meilleure arme. Et pour cela donc, l'Union africaine appelle à un cessez-le-feu immédiat et demande le retrait immédiat du M23 de ses différentes positions, mais bien sûr aussi des autres groupes armés. Nous allons maintenant aller au Bas-Congo, où nous parlerons plus particulièrement du dossier PNHF. PNHF, le programme national d'hygiène aux frontières. Tobanda qui n'a dossier wana mambi popula yo ka fongola matoi po a ezali makambo ya kimuyibi ya bato bakoyiba mbongo ya république. Makambo binobo lingaka yango oyo oyo komitanga bakulutu. Balobi le journalisme d'investigation ezali déclaration to le na télévision, je suis journaliste d'investigation. Je suis journaliste d'investigation T. Ezwa katan pour ezali ba enquête oyo ba pandi sango o ba sala ka mosala wana na lolenge ya elongo bani au moni neti dernière fois to lobela ki yango ça fait un ou deux mois to tiki to tindi ba to ba kei ba vérifier ba investiguer ba meme di biso résultat pe le to pesa bino conclusion ya dossier wana et alité o kei ba katio kania kaoli Mbongo, vous présentez le dossier dans la TV Sima, peuple a moni le kouta boyo,
bakomi kwa koloba na yo indi bongo te to sala mosala o mokonza mboka sengi biso état de droit bakokanga espace sous ce bela bakokanga bango po batimbeli ke ah kie. Je disais PNHF kuna e ali nini mama bi popula yo kangai na époque ya ministre wa benga ki Eteni Longbondo tango awa tokota mambo ya COVID ministre a instruisa ki bato ya PNHF c'est-à-dire bato yo batale la kabiso ba conteneur ya biloko nazo loba yango na ndenge ya bokuse po na mabi popula ayoka po citoyen congolais lambda ayoka bo comprendre loko nini na boyo kokena ba donner technique ebele na lobi boye to na bato moko na ba frontière neti na kasumbalesa neti ba kote ya ba Ituri kuna et sera nyo surtout frontière et ali c'est-à-dire bokabwania mboka na biso RDC na mboka mosusu na matadi et ali na boma et ali bongo bato wana mosala na bango batalaka ba conteneur we utaka libanda e yakana ba mpuku na ebisa kabino moko mosu ba mpuku to koma omona na Congo e ba mpuku na biso te e ba mpuku ba utaka na Gambie na Punta Cana we bi Punta Cana ya mboka moko bo Punta Cana sa di mpuku na bango akoli ya nyao bato wana nde bakana ba frontière pona ko désinfecter ko tia ba kisi ko boma ba nyama ba insecte o ba utaka mikili mususu ba ko kota biso ba mebiso maladi omoni mwana moke a obela maladi ba indien ndenge nini yo mwana vana na ba Congo me obeli maladi ba indien maladi wana yaka na ba nyama yaka na ba conteneur yaka na ba mpuku ba ngungi omona ngungi asuyo o vimbilo kwa nzoi moto asuyo ngungi ya end bato wana babate la kabiso population tozo maladi ko uta libanda te nde babengi bango programme national d'hygiène aux frontières sika na ba Congo kuna kiboyibi elekanaki na COVID awa papa mokonzi ministre oyakala a institué ka taxe moko babengi yango taxe 4D et la kisi désinfection, désinsectisation, dératisation, décontamination. Na explika kabino bouye. Désinfection et la kisi ko désinfecter to ko boma microbe. Na peso exemple mabi popula. Ko moni soko mwana zoki pota. Soko okeyi na ye na dispensaire. Bakamata ka alcool bati likolo ya pota pona ko désinfecter. Et la kisi ko boma microbe o ko créer mwana zwata mosu tétanos. To maladi mwe yo kota na makila yango babenga ka désinfection. Soko kei na salon de coiffure yo mwana mobali balingi bakato suki bakokamata alcool bapakoli na ciseau bapakoli na tondeuse po soko moto asida lekala ki liboso na yo mikrobo moto asida tika ki likolo ya ciseau to likolo ya zileti to likolo ya comment on appelle ya tondeuse et zoyote donc babomi mikrobo yango babenga ka désinfection ko désinfecter. Désinsectisation, deuxième D, et la qui c'est qu'au moment, bah, insecte. Bangungi, bah, mpese. Neti, bah, mpese, bah, comment on compte la bisoua, conteneur, moué, outil, Singapour. Kuna, mpese, li, arabien. C'est-à-dire, mpese, à mon nez, nao. Aya, côté, on a, nda, quoi, d'ailleurs, bah, moué, bah, ou, koufane, nan, zala, mais, bah, côté, comme ça, des maladies, et bah, singapourien. Dératisation, dératisation, y'a, qu'au moment, mpoukou. Na otiko pesa bino exemple a mama e moso okoko mona mpuku tale longa mpuku bampuku otwana bangwawa bampuku a Rwanda mpuku zolo mulaiboe mpuku décontamination décontamination la kisi eloko oyo e bebaki to esimaki microbe ba décontaminer yango vous comprendre hein? C'est-à-dire eloko ese bebaki bana ba produit mo ba wiko tsala ba tia po biloko wana et zonga malamu parce que population ali to asimbi et contaminé bisote na ba maladi o euti libanda to benga na bino musumoko mususu bato basaka makambo ba sanitaire ba ko expliquer bino na bolamu bongo bato wana ya PNHF basala ki tax oyo IGF
liso likolo ya liso bakende ki ko inspecter kuna na pena chef na bakongo ba ko mona ke kuna ki moibe ali elakisi nini mbongo ekotaka ya taxo ba futi saka biso bato ba utaka libanda ba futaka taxo yo mbongo wane kotaka na trésor public te bato ya pena chef ba liaka yango bongo IGF a bloqué ki ba compte pour na kolandela koyeba ke mbongo yo bango ba liaka yango ndenge nini pe mbongo ekotaka na taxe ya na comment on appelle na trésor public te ndenge nini mbutu mbutu bimaki bato ya pena chef ba bengi biso ba bindeke to zabo biso to koti grève pour IGF a bloqué ba prime na biso moye to sala et alité pour ba prime wana ya onde pe pesa biso possibilité to soma ba entrant la ki si biloko nyonso ba kisi o esala ke to sala musala oyo ya ko désinfecter ko décontaminer ko dératiser nyonso wana moye to sala susu ezate IGF a bobi biso toyoka ki bango bolanda ki bango na emission na biso me boye pour na rappel na koti na bino boka bango susu mwa moke bolanda eloko nini bato wana balanda ki kolela côté vu que tu as une grève wana gouvernement pour essayer à contacter yango aye ko assurer biso au contact na pratiquement na pouvoir central pour na ko lever parce que pour nini à côté makambo ngo a monique za na ba conséquences très lourdes sur le plan surtout financier et surtout sur le plan de commerce international alors yango na kota ki problème ngo comme ça aye ba ko se prendre nango biso to moni ba garantie après ça biso OK to suspend les grèves mais sous réserve qu'en tout cas ba mbongo wana faut ba futa biso yango. L'illégalité de la taxe, nous, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas parce que, juste après du contraire, ma commande au salon, si base à l'être cyclé des ministres, des ministres des titres, ministres de santé, c'est lui qui est pratiquement l'autorité, la première autorité sur le plan santé dans Mboka Nabiso, et que le RSI, règlement santé international, et peut s'y pouvoir à recevoir des mesures urgentes en cas d'urgence de santé publique et d'apporter internationale. Pratiquement, le RSI, règlement santé le PCIE pour pouvoir voilà. Alors, danger et Zali, moi je pense qu'il ne faut il y ait en tant que ministre, tant la juge décision, voilà, il engage le gouvernement, il engage le président de la République, il engage les premiers ministres. Alors, au nom de la coordination de l'action gouvernementale, je trouve vraiment très dérisoire qu'on parle de l'illégalité d'une décision prise par un ministre qui doit faire souffrir les agents. Mais tant qu'il y a mon acquis, ils sont illégal, ils sont irréguliers. Pour la nini, ba satela ki te ba kata yango automatiquement au lieu que mbongo continue ko kota zo kota zo kota ti lelo si soki si sa preuve du côté ba sure biso mbongo wana to zoango li susute biso to zo mona déjà makanisi musika to mona déjà makanta IGF musika donc biso na biso to mona ke IGF alingi mbongo wana ezo kota ko kota malgré ba jaba zo travail na ba konto moko le plus déplorable ba konto moko malamu te et ki ba to ba za exposé à la mort à des maladies tout ça mais ye IGF c'est qui l'intéresse. Lui, Mbongo Ekota et Belle, au finish, il décrète le déversement au trésor public. Il y a un tas qui avise à recevoir 40%. Ça, c'est purement une attitude d'égoïsme. Il y a un peu toujours recommandé. Parce que nous aurions souhaité ceci. Toi, c'est bas, c'est mettre autour d'une table. Ministre des Finances, ministre des Santé. Ok, il y a ministre des Santé, des Finances, ministre des Santé. Décision, je vois qu'il met quand même aux Anga qui connaissent Bissanga. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Sauvons la nation. Nous ne sommes pas des ennemis congolais, rwandais, non. Les finances publiques, c'est très important, le contrôle des finances publiques, mais aussi la santé, le contrôle santé est aussi très important. Il ne faudrait pas qu'il y ait une décision et qu'on lésait une des parties. Il faut se mettre autour d'une table, là où il y a des erreurs qu'on répare, mais qu'on voit l'intérêt supérieur des humains, des hommes qui souffrent. C'est cet intérêt-là qu'on doit voir, et juste après du contraire, on va projeter un avenir peut-être meilleur. Et d'ailleurs, je vous informe déjà que, taxe, c'est passé côté. Les alaki frais techniques, si que comme il taxe c'est passé côté la loi des finances. D'ici là peut-être on va signer, mais en attendant, moi période où on a trouvé un modus vivendi qui mette tout le monde d'accord, qui apaise tout le monde, parce que bon wana isaka que y a l'État, il sentait ce qui a eu en haut bateau prestataire, ce qui a eu c'est toujours l'État qui gagne et non pas créer des frustrations. D'ailleurs je vous informe là, je ne sais pas si ce n'est pas pas une mauvaise coïncidence depuis pays j'ai fait un bailler, juste après du côté recette coûte ce qu'on a quitté, on ne comprend plus. Alors qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme un mauvais sort. Alors je pense que bah toi effectivement, il y a 14 ans pour rebeller, pour y a un océan.
Tozana port na Boma, tozana port na Matadi, tozana en Ebélé, moi ba petit port avant port à MGT, na port ya Onatra. Alors c'est fait que ba navire wana depuis to déclencher qui mouvement ya grève, ba navire wana ezaki na port et koyo salaté parce que service et kota na masua ezandi ya biso, tant biso to sali inspection sanitaire, to délivre document ba benga libre partie, zo pesa autorisation na ba navire et banda au sala bongo déchet ma ko contrôler ba document na bango, bongo déchargement et koyo banda pe chargement pe déchargement. Alors dès lors tous aïna grève à toi bateau ana ils aïe cloué na bama ils sent que ils aïe ça là ils aïe paralysé total parce que évidemment bah on va dans la micolona bah on va tant à cas et puis bah ça bah ils aïe contrainte ils aïe lié pratiquement en fonctionnement na bango donc ils aïe bloqué d'ailleurs un navire mon gars était magi na masosu à na port international ya Matadi na bah était magi na mai et bah ils aïe pratiquement na insuffisance bah carburant les tests sont il était même question qui bah zonga bah que na rapport on y a pas payé monsieur pas qu'il ne s'est ravitaillé na carburant na ba marchandise wana touti bongo ko landandeko ya PNHF bolandi est hein prime les a bloqué ba sali grève évolution et dossier ali que na minute au gouverneur ya ba Congo koti makambo ango pour na nini pour ba bateau comment qui bloqué. En termes techniques, on dit ceci. Maman bi pour la côté au Karamatoi. Le bateau mouille au large des eaux territoriales congolaises et ne savent pas accoster. C'est-à-dire simplement bateau et kangamina mai moyen et atina libongo. Ba kiti sabilo ko réalité po bateau yo bata ila kabiso makambo ya bo menapso microbe moye ba sa réalité po to boy microbe kota. Donc banque a gagné pour le trésor public. Tous appelés à bas risque, il y a question comme il y a qu'on lit et quantité, pénurie, paie augmentation de prix et quota sur le marché congolais. Il y a encore dans le Zalaki un désastre ou en prévision du désastre économique qui allait nous arriver ou nous atteindre. Gouverneur à Koti, personne n'a bateau, bah lever mesure na bango, il y a grève. Misala ezongi, bateau comme il se souvient costé, mais tous zongi li kakali solo ya mbongo. Mibou et belé le kimbongo et kota kameke na na trésor public te to vérifier pe. To tuni bango, est-ce que mbongo o bino bo rekolta ke kota na trésor public ba reconnaître ba le bino non, ya solo, mbongo to bane ko ze kota na trésor public te. Taxe o pe, eza taxe mbongo ministre, moto aboula ki a créé yango. Est-ce que ministre en créant cette taxe, à cela qui n'a pas de connaître ba mususu na kati ya gouvernement na conseil de ministres pour ba ndenge ba ku réglementer taxe wana to luki mikanda wana to moni yango te a salaki ekeyi ba komi ko futa ko zwa mbongo wana ezali retracé te na trésor public mais le ko ezali mbongo ya mboka IGF akeyi ko contrôler ko landa ndenge nini mbongo bozo ko zwa na kombo ya république mbongo zo kota na taxe ya qu'est-ce que je veux dire na trésor public te ndeto e komona IGF a bloqué ba konto tuni papa bino bo kolela nini non tozali kolela IGF a sali malamu je pense bo landi papa oyo mais problème biso to nango bazongi c'est la biso ba prime bazongi c'est la biso li foot na biso pona to travailler parce que tozali na danger et si kawana Tolanda ki pe, mokonzi ya IGF a lobi, ba si ba zongi se la bango, ba towana ba lobi, IGF a bloqué ba prime na bango. C'est-à-dire na 4 awa, ya taxo ya 4D, ba kanamo eloko na bango ba zwa kuna na 4. IGF a bite, eloko bino bo zwa kanyango te bo iba kande. Po avant 4D o ezala, avant taxe o ministre a kreye yango, Bwemi sabi so bandeko zwa primi nini. Boza na ba primi na bino, boza pe na ba salaire na bino. Awa tomoni ke mbongo bo kabola kayango bino na bino. Siko mosala na biso, na journalisme d'investigation ya laki toyeba. Na IGF, na bato oyo. Nani ya koloba na biso, verite. Bato ba miibi, to ba miibi te. Ba ibi mbongo ya mboka to ba ibi te, ba bomi to ba bomi te. Me boze la mi telespektateur. Bola nananu siko yo. Songi songi.com yaya makamu na lobale miso lelo ba bozo ba AVC na lobi boye to la nana no bato yo mosusu ba boyi ba requérir anonymat ba lingi ba expliquer biso ba lobi boye bato ya pena chef wana mosalo bango ba sale za kindenge nini bolanda to eba bato ba ibaki te bato ba tumbaki mboka ba tumbaki te bato ba kokosa peuple to ba kokosa te bolanda